Maseret Yevamot, on va étudier le Daf Tzadik, qu'on reprend à la première ligne du début du Daf, Tashma. La Gemara, elle est en train de débattre. Est-ce que les Chachamim, ils ont la force d'annuler des interdits de la Torah ou des mitzvot de la Torah? Et la Gemara, elle va ramener des preuves, elle va repousser, et la Gemara, elle essaye de ramener encore des preuves. Tashma. La Gemara, elle ramène une preuve, la preuve suivante. La Gemara, elle va parler d'un cas. On sait très bien qu'un Kohen qui reçoit de la Trouma, si une personne vient et lui mange sa Trouma, alors là, il est obligé de payer au Kohen, de repayer au Kohen la Trouma qu'il avait et de rajouter un cinquième dessus. Ça c'est un mitzvah de la Torah. Et il faut lui donner au Kohen des choulines, quelque chose de choulines, qui va devenir Trouma quand il le donne au Kohen. La Gemara nous dit Tashma. Bien, écoute. Achal Trouma Tmea. Si le Kohen, il avait une Trouma Tmea. Une Trouma, le Kohen, il avait une Trouma qui est devenue Tamé. Et une personne est venue à lui manger, Beshogeg, elle lui a mangé cette Trouma. Alors là, il doit lui repayer, Meshalem Choulin Teorim. Il doit lui payer au Kohen. Bien qu'il a mangé une Trouma qui était Tmea, lui, il doit lui payer des Choulin qui sont Teorim, qui sont purs. Shilem Choulin Tmeim. S'il a payé des Choulin Tmeim, il lui a donné au Kohen une récolte de Trouma, de Choulin, qui était tamée. Soumchouzoma Mishum Rabbi Meir, ça dépend. Beshogeg, Tashlumav, Tashlumin. Si c'était Beshogeg, qu'il ne savait pas, alors là, Tashlumav, Tashlumin, ce qu'il a payé au Kohen, ça marche, s'il paye. Et donc, ça va devenir Trouma quand il le donne au Kohen. Bemezid, en Tashlumav, Tashlumin, mais si c'était Bemezid, que. Il lui a donné quelque chose de. Il savait que c'était des fruits qui étaient tmeim quand il a donné au Kohen. Alors là, en tashlumav tashlumim. Ce qu'il a donné au Kohen, ce n'est pas devenu de la trouma. Et donc, il doit repayer au Kohen. Mis à part ça, il doit lui payer ce qu'il lui a mangé. Donc, il doit lui donner des fruits à la place. Que ce soit Beshogeg ou que ce soit Bemezid, ce qu'il a donné au Kohen, ça marche, c'est devenu au Kohen, c'est devenu de la Trouma. Beshogeg, mais il doit repayer, mis à part ça, parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont puni, puisqu'il a donné quelque chose de tamé au Kohen, ils l'ont puni qu'il doit repayer. Omeshalem, Cholin Théorim, il doit le repayer des Cholin qui sont bien purs. Va Vinanba. La Gemara, elle va analyser, ensuite elle va prouver de là-bas. Va Vinanba, on a posé la question dessus. Bemezid, en Tashlumav, Tashlumim. Comment tu peux me dire que si c'était Bemezid qu'il a donné quelque chose d'impur au Kohen, Tashlumav Tashlumim, excuse-moi, En Tashlumav Tashlumim, ça n'a pas marché, ce qu'il a donné au Kohen, ce n'est pas une paye, et il devra lui repayer. Agmar, elle s'étonne, pourtant, qu'est-ce qu'il a mangé au Kohen, cette personne-là? Il a mangé du Kohen une Trouma qui était Tmea. C'était une Trouma qui était Tmea. Et donc, ta voix à la bracha, au contraire. Il doit venir sur lui la bracha, des kach, des achal miné, il a mangé du Kohen, quelque chose que le Kohen, il ne pouvait même pas le manger, même quand il était tamé. Parce qu'une trouma qui est tméa, même le Kohen ne peut pas le manger, même quand lui il est tamé. C'est quelque chose qui doit être brûlé. Ve, kameshalem idé, et quand il donne au Kohen, à la place, des choulines, qui sont tméim, d'accord, ils sont tméim, mais au moins c'est du choulin que le Kohen, s'il est tamé, il peut manger ses choulines. Quand ils sont tmeim. Et donc au Kohen, il a donné, au contraire, il a donné au Kohen quelque chose de mieux que ce qu'il avait. Donc pourquoi tu me dis que en tashlumav tashlumim, ce n'est pas une paye? Ve'amarava. Et Rava là-bas, il avait expliqué. Ve'amrei la Kadi. Il y en avait qui disaient que c'était Kadi qui a expliqué ça. Chatsure michatsa, il manque des mots dans la Mishnah et c'est ainsi qu'il faut expliquer. Achal Trouma Tmea, Meshalem Kol Dehu. S'il a mangé Bemet de la Trouma Tmea du Kohen, alors là, il peut lui payer n'importe quoi. Il peut même lui payer avec des choulines qui sont tmeim. Parce que, comme on a dit, au contraire, pour le Kohen, c'est plus utile des choulines qui sont tmeim plus que la trouma qu'il avait qui était tmea. Mais achal trouma teora, maintenant, s'il a mangé du Kohen, la trouma qui était teora, alors là, meshalem choulim teorim, il doit payer davka des choulines qui sont, il doit repayer au Kohen des fruits qui sont teorim. Shilem choulin tmeim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si. Il a payé des choulines qui sont tmeim. Il a donné au Kohen des fruits tmeim, choulines, qui étaient tmeim, pour payer ce qu'il a mangé, sa trouma tmea. Sa trouma teora, pardon. Sumchus somer mishum Rabbi Meir. Là, sur ça, elle a dit sumchus somer Rabbi Meir. Ça dépend. Beshogeg tashlumav tashlumim. Bemezid en tashlumav tashlumim. Si c'était Beshogeg,
Alors là, ça va, il n'a pas fait quelque chose de mauvais, et donc ce qu'il a payé, ça marche. Bemezid, si c'était Bemezid, ça n'a pas marché, ça paye, et il doit lui payer, il doit lui repayer quelque chose de Tahor. Les Chachamim ont dit, même Beshogeg Bemezid, Chachamim ils disent, que ce soit Beshogeg, que ce soit Bemezid, qu'il a donné au Kohen, ça a marché, c'est devenu de la Trouma. Et il doit lui payer au Kohen, il doit lui repayer, mis à part ça, Chachamim ils ont fait un knas, puisqu'il a donné quelque chose de Tamé, il doit lui repayer des Chounines qui sont théorie. Agmara elle s'étonne. Elle dit, Ve'acha, de Midéoraïta, Tashlumé Ma'ali Ave. Ici, Midéoraïta, même quand il a donné au Kohen quelque chose de tamé, Midoraita, il lui a donné quelque chose pour lui repayer. Et donc, c'est de véritables tashlumim, il n'y a pas de problème. Même si c'est Bemezid. Dei mekadesh be'u Kohen, Isha. Et si le Kohen, Midoraita, quand Israël lui a payé ça, du fait qu'il lui a mangé sa trouma, il lui a donné des choulines qui sont tmeim. Si ça marche, ça a été payé. Et si le Kohen, maintenant, il va avec ces fruits-là, il va donner des kiddushin à une femme, il va marier une femme avec. Tafsé la kiddushin, les kiddushin y marchent. Vamourabanan, parce que ça appartient au Kohen, parce que c'est un véritable paiement. Vamourabanan, entashlumam tashlumim, quand Chachamim ils viennent et ils disent que entashlumam tashlumim, que si c'est Bemezid qui lui a donné le Israël en tant que paye, il savait que c'était Tamé, il lui a donné ça Bemezid. Entashlumam tashlumim, Chachamim ils ont dit c'est pas une paye, c'est mamash, ça lui appartient pas au Kohen. Et donc, ils sont venus, Chachamim ils ont dit, les kiddushin que le Kohen il aurait donné avec ces fruits-là quand il a accepté ces fruits-là en tant que paye, les kiddushin ne marchaient pas parce que Chachamim ils ont dit non, ça lui appartient pas à ce Kohen. Vekasharinan, eshetish le alma. Et tu prends une femme qui était mariée et tu la permets à se marier à tout le monde. Et donc tu vois d'ici que Chachamim, quand ils ont dit que le paiement il n'est pas valable, ils ont annulé en fait en quelque sorte même des halakhot de la Torah. Parce que Minatora, elle est Mekoudéchette, cette femme que le Kohen, il a été Mekadesh. Avec ces fruits-là. Et Chachamim, ils ont venu, ils ont dit, c'est pas un paiement. Elle est Kiddushin que le Kohen, il aurait donné à une femme. Il ne marche pas. Agmara dit, Maïen Tashlumin, En Tashlumav Tashlumin, Bika Amar, Rabbi Meir. C'est quoi, Rabbi Meir, quand il a dit que le paiement, il ne marche pas, c'est pas que ce qu'il a donné au Kohen, ça n'appartient pas au Kohen. Mais juste, ce qu'il a donné au Kohen, ça appartient au Kohen. Et s'il a été Mekadesh une femme avec, Rabbi Meir, il est d'accord que la femme, elle reste avec Koudéchet. Mais quand on a dit, que le paiement n'est pas valable, de Baël les Midar, Shalomé, Choulin, Théorim. C'est juste, ça va nous dire qu'il doit repayer. Il doit repayer, mis à part ça, des Choulin qui sont, cette fois-ci, Théorim. Agmar a dit, Yachis, Soumrou, Saïnou, Rabanan. Il disait comme ça. Il n'y a pas de machloket. Soumrou, Saïnou, Rabanan. C'est quoi la machloket? Nous, on avait vu qu'il y a une machloket. Est-ce qu'il doit repayer, mis à part ça? Ou bien, ce qu'il a donné, ça reste au Kohen, il doit repayer, mis à part ça, ou bien ce qu'il a donné, ça reste pas au Kohen, juste il doit redonner autre chose au Kohen. Mais là, tu me dis que d'après tout le monde, en fait, ce qu'il a donné, ça reste au Kohen, et juste il doit repayer encore une fois. Amaravachabrederavika, Kantu Shogeg Atu Mezid Ikabenayu. Toute la Machloket est dans un cas de Shogeg. Dans un cas de Mezid, tout le monde est d'accord que le Tashlumim ne marche pas, mais. Excusez-moi, que le tashlumim, ce qu'il a donné au Kohen, ça reste au Kohen, et il faut rajouter. La question, elle est, qu'est-ce qui se passe quand il a donné ça Beshogeg? D'après Soumkhous, qui a dit au nom de Rabbi Meir, alors là, Beshogeg, il n'a pas besoin de repayer. Il n'a pas besoin de repayer parce qu'il n'y a pas de problème. Il a fait ça vraiment de façon shogeg, sans savoir. Et donc, il n'a pas besoin de repayer, mis à part ça. Alors que d'après Chachamim, même quand c'est Beshogeg, Chachamim, ils ont fait un knas de peur que les gens ils vont arriver à faire ça à Bemezid. Et donc, c'est pour ça que Kansu Shogeg et Bemezid, ils ont fait un knas de Beshogeg pour ne pas que les gens ils disent que même Bemezid, d'ailleurs, pas besoin de repayer au Kohen. Alors là, Bemezid, c'est ça la marloquette. Mais tout le monde est d'accord que Chachamim, ils n'ont pas enlevé les tashlumim. Dans un cas où les tachloumim marchent, le paiement il marche, Midéoraïta, Chachamim ils n'ont pas dit non, on annule, ça appartient pas au Kohen. Et donc il n'y a plus de preuves d'ici sur notre débat. Tashma, la Gemara elle ramène encore une preuve. Dam Shenitma, qu'est-ce qui se passe du sang du Korban qui est devenu tamé? Uzrako, et le Kohen, bien qu'il est devenu tamé,
il a quand même fait zrika, il a quand même éjecté le sang sur le misbéar, alors que normalement, du sang tamé, on ne peut plus l'éjecter sur le misbéar. Alors là, la Gemara nous dit, ça dépend. Beshogeg ou Urta, Bemezid le Urta. S'il a éjecté le sang tamé, Beshogeg, il ne savait pas que c'était venu tamé. Alors là, Urta, le Corban, il a donné un ritouille au propriétaire, c'est-à-dire il a même donné la capara au propriétaire. Bemezid, donc le Corban, il a marché. Bemezid, le Urta. Mais si le Kohen, il savait que c'était devenu tamé, quand même il a fait Zrikat Adam, le Corban, il n'a pas marché. Si je crois que le corban n'a pas marché, c'est que le propriétaire il doit ramener un nouveau corban. La Gemara a dit comment? Donc ça, et ça c'est une halakha, midarabanan, midoraita. La Gemara a dit ve'aha. Pourtant ici de midoraita, artu et marté. Ici midoraita, bien que le sang il était tamé, et même si le Kohen il a fait bemezid, il a éjecté le sang, quand même artu et marté. Midoraita, il n'y a pas de problème, le corban il a marché, il a donné à la kapara. Détania, comme ce qu'on a vu dans la braïta suivante. Alma atit meraté. Le titre qu'il avait, le Kohen Gadol, en fait, il recouvrait les problèmes qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et le titre, il donnait une kapara, même sur Atit Meratze, à la dame, va à la bassar, va à la cheleb shenitma. Il donnait une kapara, même sur du sang qui est devenu tamé, ou sur de la viande des korbanot qui est devenue tamé, bien sûr, des graisses des korbanot shenitma, qui sont devenus tamé, ben beshogeg, ben bemezid, que ce soit qui sont de. Qui les ont utilisés pour les korbanot, Beshogeg sans savoir ou bien Bemezid, même en savant, Ben Beones Ben Beraton avec plein gré, plein gré ou bien sans, contre le gré du Kohen, Ben Beyachid Ben Betzibour, que ce soit un korban d'un Yachid, d'un homme seul que pour lui, ou bien dans des korbanot de Tzibour, par exemple le korban Tamid, dans tous ces cas-là, le titre, il vient et il recouvre ces korbanot, il donne une kapara. Même dans des corbanotes comme ça, qu'ils ont été sacrifiés avec des choses tmeim, même si c'était bemezid. Donc là, midoraita, dans le cas du sang qui a été éjecté, même bemezid, midoraita, pas de problème, le corban, il a marché. Mais Amri Rabbanan, toi tu m'as dit que Khamim, ils ont dit quoi? Que si c'était bemezid, l'omerat, c'est l'ourta. Le corban, il n'a pas marché. Et donc le propriétaire, il doit ramener un nouveau corban. Veka darme ayel, khulinazara. Et donc, si midoraita, le propriétaire, il ne doit plus ramener un corban, quand il ramène un nouveau corban au propriétaire alors qu'il n'a pas besoin, il ramène en fait quelque chose qui n'est pas un corban dans la Hazara. Et Chachamim, quand ils lui ont obligé d'amener un nouveau corban, en fait, ils lui ont dit, ramène un nouveau corban. Et quand tu ramènes un nouveau corban, ce nouveau corban, midoraita, il est en trop. Et donc, c'est un choulin, c'est quelque chose qui n'est pas corban, qui lui fait la shrita dans la Hazara, et c'est un interdit. Et donc, Chachamim, quand ils ont dit que le corban il n'a pas marché, qu'ils ont obligé de ramener un nouveau corban, ce nouveau corban-là, c'est quelque chose qui est interdit, mais la Torah. Et Chachamim, ils lui ont permis de le ramener. Ça veut dire que Chachamim, ils ont la force d'annuler un interdit de la Torah. Amar Rabbi Yossi Bar Chanina, il répond, il dit, Maïlou, ça déclama, quand on a dit que le corban il n'a pas marché, c'est pas qu'il doit ramener un nouveau corban. C'est juste pour nous dire, la tire, basar la achila. Ça a pas donné, ça lui a pas permis, le corban, il n'est pas permis de manger sa viande. La viande du corban. Les Kohanim, ils n'ont pas le droit de manger la viande de ce corban. Aval Béalim, Kaprubo. Mais les Béalim, ils ont reçu leur kapara, ils n'ont pas besoin de ramener un nouveau corban. Donc il n'y a pas de problème. Point de vue du nouveau corban, juste, on a dit que les Kohanim ne peuvent pas manger la viande de ce corban. Moi, il dit d'accord. Alors quoi? Les Chachamim, en fait, ils ont dit aux Kohanim, ne mangez pas la viande de ce corban. Ça aussi, les Chachamim, ils allument une mitzvah de la Torah. Sauf Kamitakra, Achilat Bassar, Chachamim, ils ont déraciné, ils ont enlevé la mitzvah de manger la viande. Ouktiv, le pasouk qu'il a dit, il est écrit dans le pasouk de la Torah. Va'achlu et ils vont manger ceux qu'ils ont ramené à la kapara. Mais la Mette, ça nous apprend. Le kohanim mange la viande du korban et les propriétaires du korban, ils reçoivent leur kapara. Donc, Minatorel, mitzvah de manger. Même dans ce cas-là. Et Chachamim, ils sont venus, ils ont dit non, puisque c'était Tamé, c'était Bemezid. Le kohanim, ils ne mangent pas. Donc, encore une fois, les Chachamim, ils ont enlevé une mitzvah de la Torah. Agma, elle dit, Amarle, Chev Valta, Sechane. Effectivement, d'ici, on voit que Chachamim, ils ont la force d'annuler Mitzvah de la Torah. Mais, tu vois, d'ici, juste que Chachamim, ils peuvent lui dire à la personne, n'accomplis pas la Mitzvah. Chev, assis-toi et n'accomplis pas la Mitzvah de la Torah. Ça, les Chachamim, ils ont la force d'annuler le Mitzvah de la Torah en disant à la personne, ne fais rien. Mais la question, elle était encore, est-ce que. Ils ont la possibilité
de venir annuler une mitzvah de la Torah en disant à la personne, lève-toi et transgresse une mitzvah de la Torah. Ça, c'était notre débat. Le débat, il était, est-ce que Bekoumaté, viens, lève-toi, et est-ce que la Khabib, ils ont la force d'ordonner à la personne de venir et d'annuler une mitzvah de la Torah en faisant un acte? Ça, c'était le débat. Mais ici, tu vois juste que Rahman, ils ont la force d'annuler une mitzvah de la Torah, Beshev Alta, c'est en disant à la personne, assis-toi, et ne l'accomplis pas. Et donc là, quand il a entendu cette réponse, Amarley lui a dit, Rafrizar, Rabban, je voulais te poser encore beaucoup de questions, de te prouver de beaucoup d'endroits que Rahman, ils ont la force d'annuler les mitzvahs de la Torah, mais une fois que tu m'as dit ce principe, que Beshev c'est qu'en ne faisant rien, Rahman, ils peuvent te dire, va et n'accomplis pas la mitzvah de la Torah, alors tu m'as répondu à plein de preuves. Et la Gemara, elle les cite. Ben, là, tu vois, je voulais te poser la question de Harel, Azaa, Izemel, Tzadin Betitit, Kivsé Aseret, Veshofar Velulav. On va les expliquer. Ashta de Shanitlan. Et maintenant que tu m'as répondu, Sheval Taase, Lome et Karou, quand tu m'as répondu que, quand Khamim, ils ont dit que, assis-toi, ne fais pas, ne complie pas la mitzvah, c'est pas que Khamim, ils ont déraciné la mitzvah de la Torah. On a mis Sheval Taase, tous ces cas-là aussi, il n'y a pas de preuve de là-bas, parce que c'est des cas, juste Khamim, ils ont annulé la mitzvah en disant la personne vient, ne l'accomplit pas. Maintenant, on revient sur tous les cas. Donc, Baël et Otouvar, je voulais te poser la question de Harel. Harel, c'est une personne qui n'a pas eu la Mila. Un guerre, par exemple, un converti qui se convertit, Erev Pessah. On sait très bien que le Corban Pessah peut le manger que une personne qui a eu la Mila. Une personne qui n'a pas eu la Mila ne peut pas manger le Corban Pessah. Et donc là, celui-là, il s'est converti Erev Pessah. Alors là, la Gemara, elle nous dit que on ne peut pas lui faire, d'après Beth Hillel, on ne peut pas lui faire la shrita du Korban Pessah pour lui. On ne peut pas lui faire la shrita du Korban Pessah pour lui, parce que c'est vrai qu'on a le temps maintenant de lui faire la shrita du Korban Pessah, de lui faire la Mila et lui faire la shrita du Korban Pessah. Mais non, il y a une gzera de Chachamim, ils ont dit que, de peur que l'année d'après, cette personne-là qu'on lui a permis, Erev Pessah, de manger son Korban, il va dire, attends, si je suis devenu tamé, si la personne est devenue tamé Erev Pessah, il va dire, ah, pas de problème, je vais faire le mikvé, je vais me rendre Tahor, et je vais faire le Korban Pessah tout de suite. Pourtant, alors qu'une personne tamée, elle doit attendre le soir. Elle doit attendre le soir, elle ne peut pas le faire le même jour. Et donc la personne, elle va s'embrouiller. Si tu vas lui permettre de faire la Mila et directement de manger le Korban Pessah, l'année d'après, il va faire le mikvé quand il sera tamé, et il va manger directement le Korban Pessah, alors qu'il doit attendre le soir. Donc, Khamim, ils ont annulé pour lui le Korban Pessah. Et donc là aussi, on aurait eu une preuve que Khamim, ils ont annulé la mitzvah du Korban Pessah pour cette personne-là. Sur ça, la réponse est bien que, effectivement, Khamim, ils ont annulé, mais juste, ils ont dit à la personne, Chev, et Alta. La deuxième preuve, c'est quoi? Hazar. C'est qu'il faut éjecter, en fait, sur le tamé, une personne qui est devenue tamé à cause d'un mort. Il faut lui éjecter il faut lui éjecter, la cendre de la paradouma. Et le septième jour, il est tamé, et ça, il faut faire ça le septième jour de sa Touma. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si le septième jour est tombé Shabbat, quand le jour du dimanche, le lendemain, c'est Erev Pessah? Donc maintenant, la question, elle est, est-ce que je peux lui faire la Hazara pendant Shabbat pour que le lendemain, il puisse manger le Korban Pessah? Parce que s'il ne fera pas l'éjection pendant Shabbat, alors là, il devra le faire que le dimanche. Il devra attendre le soir du dimanche pour pouvoir être Tahor, et donc il va rater le Korban Pessah. Khamim, ils ont dit, on ne peut pas le faire la Hazara pendant Shabbat, et il ne pourra pas, à cause de ça, Bémet, manger le Korban Pessah cette année-là. Pourquoi Rabbi nous interdit? Parce que c'est considéré comme s'il arrangeait en fait quelque chose pendant Shabbat, il arrangeait cette personne-là. Et donc, encore une fois, Rabbi nous a annulé pour une personne le Korban Pessah. Sur ça, la réponse, elle vient, que c'est Beshev Valta, c'est Ismel. Ismel, c'est le couteau de la Mila. Rabbi nous a interdit de le transporter dans des endroits où on n'a pas le droit de transporter Midera Banane pendant Shabbat, pour faire la Mila à l'enfant. Et donc, à cause de ça, Khamim, ils ont annulé la Mila du bébé Bismana. À cause de ça, il faudra repousser la Mila à dimanche, parce qu'on ne pourra pas transporter le couteau de la Mila. Et c'est que Midera Banane. Et la réponse, elle vient d'ici. Aussi, que ça aussi, c'est Beshev Alta. C'est pour ça que Khamim, ils ont la force. Sadin Betitit. C'est quoi la preuve de Sadin Betitit? Les Titit, on sait très bien qu'il y a une permission spéciale dans les Titit, que ça soit Chatnez, du lin et de la laine en même temps. Pour accomplir la mitzvah de Titit, même si le Titit il est en laine et l'habit il est en lin, donc là quand le Titit il est attaché à l'habit, c'est Chatnez. Mais pour accomplir la mitzvah de Titit, c'est permis. Et là, Chachamim, ils ont dit
que si j'ai un drap, que je me recouvre avec lui, qu'il il a quatre coins, alors là, ils ont dit, on n'a pas le droit de lui mettre des titites parce qu'on craint qu'il va l'habiller ce drap-là pendant la nuit. Et pendant la nuit, il n'y a pas de mitzvah de titite. S'il n'y a pas de mitzvah de titite, revient à l'interdit du Shabbat. Et donc, ils ont dit, même pendant le jour, quand il habille, il n'a pas le droit de mettre des titites. Encore une fois, ils ont annulé la mitzvah de la Torah. Alors là, sur ça, la réponse, elle va venir. Que ça aussi, c'est Béchev-Alta. Ils ont dit, n'accroche pas des titites à ce drap-là. Et donc, ça aussi, c'est Béchev-Alta. Mais qui s'intéresse? Qui s'intéresse, c'est le corban de Shavuot qu'on ramène avec les deux pains. C'est un corban tibour que la marraine nous dit dans Masechet Betza, que s'il lui a fait la shkita pendant Shabbat, pas en tant que corban tibour, mais en tant, pas en tant que shlamim, comme ce qu'il faut faire, mais en tant que hola. Alors là, les chachamim, ils ont dit, on n'a pas le droit d'éjecter le sang de ce corban, midérabanan. Et ils ont annulé à cause de ça, trois mitzvot, et d'éjecter le sang, et de brûler les cendres, parce que si on n'a pas éjecté le sang, on ne brûle pas les membres, et de manger le corban, de manger la viande de ce corban. Donc il y a trois mitzvot que Chachamim, ils ont dit, on ne peut pas le faire pendant Shabbat, parce que c'est considéré comme si j'arrangeais en fait le corban qui était problématique du fait qu'on l'a sacrifié en tant que Ola, et pas en tant que Shlamim. Et donc Chachamim, ils ont annulé les mitzvot de la Torah, ça leur répond très bien aussi que c'est Béchéval, Chachamim ont dit, viens, ne fais pas la Zrikatada. C'est pas qu'ils sont venus, ils ont dit à la personne, lève-toi et transgresse avec un acte une mitzvah de la Torah. Mais Shofar Veloulav aussi, Chachamim, quand ça tombe Shabbat, Rosh Hashanah tombe Shabbat, Chachamim, ils ont dit, on fait pas de Kiyat Shofar, on sonne pas du Shofar parce qu'on craint tu vas le transporter, la personne, le Shofar, dans le Rishout HaRabim pendant Shabbat, et c'est interdit. Donc Chachamim, ils ont annulé la mitzvah du Shofar. Et la même chose pour le Veloulav, Chachamim, ils ont interdit de, si le premier jour de, si le premier jour de Sukkot tombe Shabbat, Chachamim, ils ont dit, on ne fait pas la mitzvah de Lulav. Et donc, Chachamim, ils ont annulé la mitzvah de Lulav. Ici aussi, la réponse, elle va venir, Ashta de Shanitlan, Beshevata, Selomikaru, Kulunami, Shevata. C'est tous ces cas-là aussi, c'est des cas de Shevata. C'est donc, j'ai plus de preuves de là-bas. Tashma, la Gemara ramène une autre preuve. Et là, Tishmaoun, la Torah nous dit sur un avis, un prophète qui est un véritable prophète. C'est pas un avis Sheker, c'est un vrai prophète. Et là, Tishmaoun, vous devrez l'écouter. Afilou, Omer Lecha, Avor Alachat Mikol Mitzvot Sheba Torah. Même si le Navi va te dire, viens et transgresse une mitzvah de la Torah. Mais pas pour tout le temps. C'est pas qu'il a annulé la mitzvah. Il a dit, maintenant, il y a un besoin de transgresser une certaine mitzvah. Que pour maintenant. Kigon Eliyahu Bahar HaKarmel. Comme Eliyahu HaNavi sur le mont du Carmel, que là-bas, il avait sacrifié un corban, alors que c'était déjà au moment où on n'avait plus le droit de sacrifier aucun corban, mis à part au Beth Amikdash. Et là-bas, Eliyahu, qui était un vrai prophète, il a fait ça, et donc là, à Kol Efisha, Shomin aussi, il a dit ça, que c'est que pour maintenant, parce qu'il y a un besoin spécial de le faire, Shmalo, il faut l'écouter. Donc on voit bien qu'on a le droit, les Rahamim, ils ont le droit de transgresser, d'annuler un interdit de la Torah, même convaincé, même en venant et faisant un acte. La Gemara dit, Shane, là-bas c'est différent. C'est pas que les Rahamim, ils ont annulé. C'est que d'Ichtiv, la Torah, c'est elle-même qui nous a dit que des fois, les Rahamim, ils ont la force, le Navi, il a la force de venir et de dire, il y a un certain besoin pour un certain moment, pas pour tout le temps. Pour tout le temps, il n'y a pas le droit, même le Navi. Vous pouvez un certain moment, pour un certain moment, de annuler telle et telle mitzvah. Ça, il faudra l'écouter. Bien sûr, c'est que le prophète, on n'a plus de prophète. Veligmar Mina. La Gemara, elle dit, on n'a qu'à, d'accord, c'est un passage de la Torah qui nous dit qu'il y a quand même besoin de la force. Alors, on n'a qu'à apprendre d'ici que, eh bien, mettre les Chachamim, ils ont la force d'annuler quand il y a besoin d'annuler un interdit. Que les Chachamim, ils ont la force de l'annuler. La Gemara, elle dit non. Migdar Miltashanes. Pour faire un guéder, pour faire des barrières à certaines choses, ça, c'est que dans ce cas-là qu'on a le droit. Mais Chachamim, ils ont pas la force de mettre de faire une takana pour tout le temps, que ça soit comme ça. Par exemple, Eliyahu Bahar HaKarmel, c'était un moment où le peuple d'Israël, il tournait vers la Avodah Zarah. Et là, Eliyahu, il avait besoin de prouver que la Avodah Zarah, c'était quelque chose de faux complètement. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait ce corban pour prouver à tout le monde qu'Hachem, il allait allumer le feu dans son corban et pas dans le corban de la Avodah Zarah. Mais c'était quelque chose de bien décrit, qui avait un certain besoin pour un certain moment, et c'est pour ça que c'était permis. Mais de faire une takana de Chachamim
de venir et d'annuler une mitzvah pour tout le temps, là, on n'a pas de preuve de là-bas. La Gemara amène une autre preuve. Tashma, viens, écoute, une autre preuve. La Gemara, elle parle d'un mari qui a envoyé un guet à sa femme, avec un envoyé. Et avant que le guet n'arrive chez sa femme, bitlo, il est parti chez un beddin et il a annulé le guet qu'il a envoyé déjà, sans que la femme le sache, et il a transgressé la takana qu'il a fait Rabban Gamliel, que Rabban Gamliel, il a fait une takana, qu'on n'a pas la force d'annuler un guet, même devant un beddin, sans que la femme le sache. Parce que si la femme ne le sait pas, en fait, il y aura un problème. La femme, elle croit qu'elle est divorcée avec ce guet-là. Elle ne sait pas que de l'autre côté du monde, le mari, il a annulé le guet en chemin, quand le guet, il était en chemin. Et elle va se marier à cause de ce guet-là. C'est pour ça que Khamim, ils ont dit, il n'y a aucune force à aucun bedin d'annuler aucun guet sans que la femme, elle le sache. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si le mari, Bedieved, il a fait un bitoul? Il est parti chez un bedin et le bedin, il l'a annulé. Alors l'agma a dit, mais voutal. Le guet, il est annulé, bien qu'il a transgressé la takana de Rabban Gamliel, le guet, il est annulé, et la femme, elle n'est pas mégourechette, elle n'est pas divorcée. Divrei Rebbi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, Eno yachol, il ne peut pas, lo levatlo, ni de l'annuler, velo le sifal tnao, et ni aussi de faire rajouter une condition au guet. Rajouter une condition au guet, ça aussi, il ne peut pas changer du tout le guet, parce que si tu dis qu'il a quand même la force, il me dit, mais quoi Bedin a fait? Si, la personne a la force d'annuler le guet devant un Bedin. Alors là, quelle est la force du Bedin? Quand on a fait une takana, qu'on n'a pas le droit de l'annuler le guet. Alors là, si la takana, elle ne marche pas, que la personne, elle peut l'annuler, Bedin. Alors là, quelle est la force du Bedin? Comme ça, il a dit Rabban Gamliel. Et donc là, la elle s'étonne, elle dit, Vea, acha, pourtant dans ce cas-là, des Midoraita battel guet. Midoraita, la personne, elle peut annuler le guet devant un Bedin. Tant qu'il a annulé, quand le guet il était encore en chemin, avant qu'il est arrivé chez la femme, le guet il peut être annulé. Et donc, et Rabban Gamliel est venu, il a fait une takana. Il a dit, il faut que la takana elle ait des dents. Et donc, Mishum Makwar Bedin y a fait à cause de la logique de Rabban Gamliel qui a dit qu'il faut pas qu'il faut que le corps, la force du Bedin elle soit bien forte, forte. Alors là, le guet il peut pas annuler le guet. Et le guet il marche. Et donc, grâce à ce guet-là, la femme, elle va aller se marier avec quelqu'un d'autre. Le kasharina alma. Et à cause de ça, tu permets à une femme mariée, tu lui permets de se marier à tout le monde. Parce que cette femme l'a mis deoraita, le guet, il a été annulé. Et l'annulation est valable, mis deoraita. Rabban Gamliel, il vient et dit non, l'annulation n'est pas valable. Et cette femme-là, le guet, il marche. Et grâce à ce guet-là, elle peut se marier. Donc, en fait, il s'avère que la takana, que Rabban Gamliel, en fait, il a permis à cette femme-là de se marier à tout le monde, alors que Midoraita, le guet, n'était pas valable. Donc tu vois que Chachamim, ils ont la force d'annuler un halakha de la Torah. Agmar a dit, là-bas c'est différent. Man de Mekadesh, adata de Rabbanan Mekadesh. Toute personne qui donne les Kiddushin à une femme, il donne les Kiddushin selon l'esprit des Chachamim. Parce que quand on donne les Kiddushin à une femme, on lui dit, Kedat Moshe Israël, je te donne les Kiddushin comme les halakhot de Moshe et de Chachamim Israël. Et des Chachamim. Et puisqu'il a fait dépendre en fait les Kiddushin de l'esprit des Chachamim, parce qu'il nous rappelle les Kiddushin. Dans un cas pareil, Rabban Gamliel il pense que Chachamim ils lui ont enlevé les Kiddushin. Ils lui ont enlevé les Kiddushin. Et c'est pour ça que Rabban Gamliel il se permet de dire à cette femme-là qu'elle peut se marier à n'importe qui, parce qu'il tient que le guet il marche. Tu fais que et pourquoi il a la force de donner une validité à un guet que Midoraita il n'est pas valable parce que dès les Kiddushin du départ il dépendait de l'esprit des Chachamim. Et donc quand Rabban Gamliel il veut permettre à sa femme, à cette femme-là, de se marier à tout le monde grâce à ce guet, il va dire, attends, cette personne-là, son ex-mari lui a donné des Kiddushin. Selon notre avis, on lui annule ses Kiddushin. Et donc elle n'était pas mekoudéchette à ce mari-là. Et donc c'est pour ça que Rabban Gamliel il a la force de lui dire à cette femme-là, tu peux aller te marier à n'importe qui. Amal Ravina la Ravashi, Ravina il a dit à Ravashi, Atinar de Kadish Bekaspa. Je comprends, dans un cas où son ex-mari, il lui a donné les Kiddushin avec de l'argent. Quand il a donné de l'argent pour lui la marier, alors là, Chachamim, ils sont venus, ils ont dit l'argent qu'il lui a donné, c'était juste un cadeau, c'était pas des Kiddushin, et ils lui ont fait sauter les Kiddushin, ils ont fait sauter les Kiddushin qu'il lui a donné.
Kaddish veut bien Maïka le Memar, mais s'il lui a donné les Kiddushin, il lui a fait les Kiddushin en ayant un rapport avec elle. Que c'est une sorte de chose qui peut faire des Kiddushin. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont dire les Chachamim? Comment Chachamim vont lui faire sauter les Kiddushin? Pourtant, il a fait un rapport, c'est quelque chose de concret. Agmar a dit Maïka le Memar. Agmar a dit Shavu Arabanan et Beilato Beilato. Chachamim, ils ont changé le statut de ce rapport qu'il a eu avec sa femme et ils ont fait passer ce rapport-là d'un statut de Kiddushin à un rapport d'une Beila, d'un rapport de Znout, qui n'est pas un rapport de Kiddushin. Et donc, c'est pour ça que si, à la fin de compte, il a donné ce get, qu'il a annulé, quand même, Chachamim, ils ont dit, le get, il est valable du fait qu'on annule ce Kiddushin Bichlal du départ, il n'était jamais marié, et Kiddushin, ils n'étaient pas valables dès le départ. Tashma, autre preuve. Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit, Shamati she bedin makin veonchim shelo min haTorah. J'ai entendu de mes maîtres que le bedin, des fois, il peut donner des coups, des malkotes aux personnes, aux gens, veonchim ou bien de punir même, de tuer des gens, shelo min haTorah, bien que la personne n'est pas chayav mita ou chayav malkot min haTorah. Velola avoir un livret Torah. Et c'est pas que les Chachamim, ils viennent et ils veulent transgresser les paroles de la Torah et de frapper de donner malkot ou mita quand la personne n'est pas chayav. Et là, la sot sayag la Torah. Mais c'est venu pour cette akana de Chachamim qu'ils peuvent punir des gens, même si mina Torah ils sont pas chayav, c'est venu pour mettre des barrières au halachot de la Torah. Et Gemara elle ramène des exemples à ça. Maase ba'adam echad. Il y avait une histoire avec une personne, Sharachav al sous be Shabbat, bimei evanim. À l'époque des Grecs, cette personne-là, elle a chevauché sur son cheval pendant Shabbat. Veviu le bedin uskalou. Ils ont emmené cette personne-là au bedin et ils lui ont fait ce qu'il a. Ils l'ont lapidé comme quelqu'un qui était mechalel Shabbat. L'homme est pnechera ou l'écart. Pas parce qu'il était chavita vraiment. Parce que c'est pas un interdit de la Torah. C'est qu'un interdit de Rabbanan. Qu'ils ont dit, les chachamim, on n'a pas le droit de chevaucher pendant Shabbat. Donc, mina Torah, il était pas chav ce qu'il a. Et là, donc, ils ont fait ce qu'il a. Et là, chachat, c'est chalekar. C'était, ils ont fait ce qu'il a. Parce que c'était une époque où il y avait besoin, c'était le moment où les Grecs faisaient des xérotes sur l'âme Israël pour ne plus qu'ils gardent les mitzvot de la Torah, et les mitzvot, ils commençaient à être plus légers aux yeux du clan Israël, et ils ont vu que les gens, ils commençaient à être mechalel Shabbat, ils sont venus et ils ont donné ce qu'il y a à une personne qui a fait même une avera midera banal pendant Shabbat, pour montrer à tout le monde, et pour arranger, et pour fermer les pirtotes qu'il y avait à cette époque-là dans les mitzvot de la Torah. Et donc, Veshuma, c'est encore un exemple. Be'adam Echad, une personne chez Tiach Be'ishto, Tachat Atena, il a eu un rapport avec sa femme devant tout le monde, Tachat Atena, en dessous d'un figuier, c'est un endroit public, Ve'vi ou le Bedin, Ve'ilku, et Chachamim l'ont ramené au Bedin, et ils l'ont frappé, ils l'ont donné malkout. L'homme est pnechera ou l'écart, pas parce qu'il était chayav, puisqu'il n'y a aucun interdit, il n'y a pas vraiment un interdit de la Torah de le faire. La chachat, chalkar, ils ont vu que les gens, ils faisaient de la pritout, c'était des choses, les gens, ils étaient à cette époque-là pour Routim, et ils voulaient arranger cette chose-là, et donc, ils ont donné malkout même sur une chose pareille. Et donc, on voit d'ici que Chachamim, ils ont la possibilité de frapper des gens et de tuer des gens, alors que normalement on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Donc Chachamim, quand même, ils ont le droit de tuer quelqu'un, bien qu'il n'ait pas chayav min haTorah. Ça veut dire que Chachamim, ils peuvent annuler le mitzvah de la Torah. Il y a écrit la Torah, elle nous dit l'autre, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Chachamim vient et il le tue parce qu'il voit un certain besoin. Agmar, elle dit, Migdar milta shane. Donc, quand il y a besoin de faire des gderot, de faire des takanot pour renforcer la halakha de la Torah, c'est différent. Tu ne peux pas me prouver de là-bas que de tout dans tous les endroits dans tous les halachot, Chachamim peuvent donner une halacha que dorénavant pour toutes les générations à venir, les Chachamim peuvent annuler une certaine halacha de la Torah. Il n'y a pas de preuve. Là-bas, c'était une époque spécifique, bien claire, qu'il fallait renforcer une certaine chose. Chachamim, ils ont la force de le faire. Mais de venir me prouver de là-bas que Chachamim peuvent donner une takana pour toutes les générations à venir et de nous annuler des halachot de la Torah, tu ne peux pas me le prouver. Et donc, on finit ce débat sans prouver, sans une preuve claire. Est-ce que Bekoum va assez? Est-ce que Chachamim peut venir à la fin de la Torah? Bekoum va assez en disant à la personne, lève-toi et transgresse la mitzvah. Mais Chef Valtassé, on a vu que Chachamim, ils ont la force. Mais Bekoum va assez, on n'a pas de preuve.
On retourne sur la Mishnah, on avait dit, on parlait donc bien sûr d'une femme que son mari il est parti dans une contrée lointaine et elle s'est mariée, elle s'est remariée avec un témoin, un seul témoin. Et ensuite son mari il est revenu. Alors là, Chachamim, ils lui ont fait un knas sur quelque chose, sur quelques halakhot. C'est pas qu'elle s'est mariée sans témoin du tout, elle s'est mariée grâce à un Edechad, un seul témoin. Donc normalement ça suffisait pas, et donc Chachamim, ils l'ont puni. Et ils ont dit, l'osevazé mitamina. Ni le premier mari, ni le deuxième mari, ils peuvent se rendre tamé si c'était des Kohanim. Si quand elle est morte, ils ne pourront pas se rendre tamé pour l'enterrer. Ils ne pourront pas s'occuper d'elle quand elle va mourir. Minalan, la Gemara, d'où tu sais cette halakha? C'est même son premier mari que vraiment c'est son mari. S'il est Kohen, il n'a pas le droit de se marier, de se rendre tamé pour elle. Écrit le pasuk qui nous dit, Kiim Lishero, le pasuk qui nous enseigne la Touma. L'interdit des Kohanim de se rendre tamé même pour les morts, que pour sa femme qui est proche à elle, que là pour elle le Kohen il peut se rendre tamé. Va Mar, et Mar il avait expliqué ce passage là, chez Eros ou Ishto, chez Eros quand on dit son proche c'est sa femme, que le Kohen il peut se rendre tamé pour sa femme. Donc dans ce passage là le passage qui nous apprend qu'il peut, Ouktiv est écrit dans un autre passage. Un homme, il pourra pas se rendre tamé pour faire chouline, se rendre tamé. Et Baal, ça veut dire que ça fait référence que le mari pour sa femme. Et donc ici, tu vois qu'il pourra pas se rendre tamé pour sa femme. Yesh Baal shel mitamé, yesh Baal shel mitamé. Ici, tu vois qu'il y a deux sortes de maris. Il y a des maris qui peuvent se rendre tamé pour sa femme. Il y a des maris Cohen qui ne peuvent pas se rendre tamé pour leur femme. Haketad, mitamé ou le ishtokshira, il peut se rendre tamé pour sa femme qui est kshira pour lui, qui est kshira, qui est permise à lui. Mais non, mitamé le ishtoksula, il ne peut pas se rendre tamé pour sa femme qui est psula, qui a fait se marier avec une autre personne alors qu'elle n'avait pas le droit. Pour celle-là, le Cohen, son mari, il n'a pas le droit de se rendre tamé pour elle. Velozavazé, on avait dit aussi que ni le premier mari ni le deuxième mari, Zakaïn Bimtiata, ils ne peuvent pas, si elle a trouvé une métia, une trouvaille dans la rue. Alors là, que là, normalement, généralement, ça va pour le mari. Alors là, dans des cas pareils, dans un cas pareil où elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre à cause d'un Edechad, alors là, on a dit, ni le premier mari ni le deuxième mari, ils ont de possession sur ce qu'elle a trouvé. Moi, elle dit pourquoi? Pourquoi généralement les Chachamim ils ont dit ce que la femme elle trouve, ça va à son mari? Qui a écrit de l'Oteveleva pour ne pas qu'il y ait de la haine et des disputes entre le mari et la femme. Chachamim ils ont fait une takana claire, ça va au mari. Haha, mais dans un cas pareil, Teveleva, il n'y a pas de problème. Ils ont qu'à, au contraire, c'est bien qu'il y ait de la haine et des disputes entre eux parce qu'en fait, il faut qu'elle la divorce. Et normalement, elle ne peut pas rester mariée avec même son premier mari, du fait qu'elle est allée avec une autre personne. On avait dit aussi, Ubema ce qu'elle gagne, la femme, ce qu'elle fait, ce qu'elle travaille. Alors là, ni le premier mari, ni le deuxième mari, ils ont la possession dessus. Moi, elle explique, elle dit, pourquoi les Chachamim, ils ont fait une takana, parce que la femme, elle gagne, ça appartient à son mari. Mais je me déclare la maisonnée parce qu'elle est nourrie par son mari. Son mari la nourrit. Aha, qui va des maisonnées là, puisque les maris, dans notre cas, puisque ces deux maris-là, ils n'ont pas l'obligation de la nourrir, que Massé Adéa la vida, il n'y a pas de raison que ce qu'elle gagne, ça appartient à leur mari, à son mari. L'homme est fait Nedaria, on avait dit que généralement, un homme, il peut annuler les vœux de sa femme. Alors là, dans ce cas-là, où elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, l'homme est ferné d'arrêt, ils n'ont plus la force de lui dénouer, de la dénouer de ses vœux. Alors on a dit, pourquoi? Tamamayama Rahmana Baal Mefer. Pourquoi la Torah, généralement, elle a dit que le mari, il peut dénouer sa femme de ses vœux? Kedeshalotit pour ne pas qu'elle soit méprisée sur son mari. Si par exemple elle a fait un vœu de ne pas s'embellir ou de ne pas se laver, etc. Alors là, elle va être méprisée aux yeux de son mari. C'est pour ça que la Torah elle a donné l'autorisation au mari d'annuler ses vœux. Acha, dans notre cas, puisque c'est une femme qui est interdite à son mari,
Alors, Titganev, pas de problème. Qu'elle soit méprisée par son mari, au contraire, vaut mieux qu'il la divorce. C'est pas ça qui nous pose un problème. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.